WWE Casino Bumble. Now wrestling on that V in the red, representing Romania, Krista Ilseev. Her opponent in the blue, representing Kazakhstan, Ayolim Kasamova. Sur le tablier, match en préparation, moins de 60 kilos, 8e de finale, représentant les États-Unis d'Amérique en repousse. Alison Ragan, représentant l'Hongrie, maillot bleu, Gabriela Spies. Now wrestling one man D. In the ring from the United States of America, Ali Reagan, her opponent, in the local Hungary, Gabriela Slaves. Regardez bien, messieurs, les écrans géants de la Corentin Arena. On vient vous dire bonjour avec nos différentes caméras installées. Voilà les entraîneurs de cette différentes délégations qui regardent un petit peu ce qui se passe sur les différents tapis. Match à suivre dans 20 minutes maintenant, allez, un petit peu moins de 20 minutes. La française, Kouma Leroy, qui se doit tapisser en moins de 69 kilos. Il faudra faire du bruit pour Kouma. Le meilleur joueur de médaille pour la France cette année, ici à Paris. Il y a de la dance cam là sur les écrans géants de la Corentin Arena. On va entendre quelques instants les très très petits supporters qui sont là depuis quelques jours. Début du match sur le tapis 1 entre la représentante de la Suède, maillot rouge, Malin Maxson, qui tient le final pour les 30 kilos, et la représentante de la Finlande, maillot bleu, Mimi. Now wrestling on man A. In the ring from Sweden, Johanna Mattsson. Her opponent in the blue from Bulgaria, Mimi Ristola. Now we have a challenge in the ring on man B. Challenge sur le tapis B, un challenge demandé par le coach de la Roumaine, Krista Ilseev. Un challenge sur l'arbitrage vidéo. Avec 4 caméras disponibles pour l'arbitre, qui va donc aller étudier ce qui vient de se passer. Soit le challenge est accepté et donc l'arbitre va changer sa décision, soit le challenge est refusé, donc l'entraîneur Kouma, qui donc va être de semaine, pourra donner un point à la liseuse, notamment les Kazakhstan. Voilà, le challenge est affiché sur les écrans géants d'accord avec l'Arena. Le tapis B. Challenge perdu, un point de plus.
comme ça qu'on dit, DG va aller plus tard. Ouais, c'est comme ça, très bien. Parfait, on se laisse soigner aujourd'hui, c'est la Corotel Arena. Il va y avoir des supporters français tout à l'heure, on le sent. Et d'ailleurs, on devrait vous envoyer un petit peu, mesdames, messieurs, un petit peu de bruit pour l'équipe de France aujourd'hui. Championnat du monde de lutte, et puis qui commence à se lutter comme ça. Ouais, super. Tu pourrais être comme ça dans les tribunes de la Corotel Arena de Paris, merci. Et puis avec les fans de l'équipe de France, et puis très en forme. Il y a un monsieur qui est pas mal en forme aussi, juste devant les filles. Un petit câlin. Voilà. Ah oui, un petit peu seul câlin, ok. Ouais, c'est pas mal. Pas du tout. C'est pas mal. Mesdames, Messieurs, en ce moment sur le tapissé, l'Allemand est opposé à l'Indienne. Juste après, il y aura un autre match entre une représentante de la Mongolie et une Japonaise. Et juste après, sur le tapissé, entrée en ligne de la Française, Kuba Darroch face à la championne olympique en titre, Sana Ocho, la Japonaise. Donc commencez, si vous voulez, à vous installer pas très très loin du tapissé, le tapis central de la Corotel Arena. Avec différents partenaires qui vous attendent dans les confins de la Corotel Arena. Et notamment le Crédit Mutuel, partenaire principal de l'événement. Le Crédit Mutuel qui vous a rendu une tournée cette semaine pour vous divertir avec d'autres partenaires. Et vous faites une intervention dans le cadre de cadeaux. Vous avez passé un très bon moment avec les différents partenaires de ce très très bel événement que sur les 45e de championnat du monde ici. Pour faire partager cet événement, on est en train de la planète, YouTube, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et vous pouvez utiliser le hashtag ParisMonde2017 et vous pouvez nous en diffuser sur les répondeurs de la Corotel Arena. Insane.
victoire de la Roumaine, Krista Hintze, sur le tapis en 8ème de finale, moins de 60 kg. Match se prépare sur le tapis 1. Représentant la Bulgarie en rouge, Sofia Georgieva. Représentant la